deindustrialization of food systems through the logic of simplification and standardization of agricultural production practices has led to a massive loss of biodiversity. In 30 years, the population of flying insects has decreased by about 80% in Europe, whereas 40% of the European bird species is on the decline. Agriculture is one of the major factors responsible for the decline of biodiversity, on which, paradoxically, we depend to feed ourselves. How can we reverse this trend and ensure healthy, diversified, sufficient and quality food production for the world's population while maintaining and restoring biodiversity in our fields, our territories and our plates? Agroecology represents in this sense an inescapable solution by putting biodiversity back and the art of a food production. Agroecological practices make it possible to regenerate soil life, increase its fertility and considerably reduce the use of synthetic inputs such as fertilizers and pesticides whose effects on biodiversity are devastating. Let's explore these different practices and strategies implemented by producers. On s'est installé sur la ferme en 2010, donc avec une envie de montrer qu'on pouvait créer une ferme viable économiquement, avec des produits alimentaires de qualité qui soient accessibles pour tout le monde, tout en développant la biodiversité et en créant du paysage. Donc au bout de 11 ans, le pari semble être réussi, ça marche bien. On est assez content de ce qui se passe. En termes de biodiversité, on a créé un grand nombre d'aménagements pour la faune, la flore. Et ça nous permet, avec cette biodiversité importante, d'avoir un système plus résilient, que ce soit par rapport à l'augmentation des ravageurs, de plus en plus présente avec le réchauffement climatique. Donc ça nous permet de maintenir un meilleur équilibre sur la ferme, ou aussi pour recréer du paysage, pour que ça soit agréable de se promener dans nos campagnes. On essaye de mettre en place beaucoup d'aménagements agroécologique, c'est-à-dire qu'on va essayer de maximiser l'habitat d'un nombre d'espèces le plus important possible pour permettre à nos cultures, si elles sont soumises à un ravageur, les prédateurs de ces ravageurs sont forcément présents dans l'environnement parce qu'on aura des mares qui vont abriter des crapauds contre les limaces, qui vont abriter des libellules contre les mouches du chou, par exemple. On va avoir aussi des haies qui vont être un réservoir à tout un tas d'auxiliaires, que ce soit la coccinelle, la chrysope. Et en plus, elles vont permettre à des oiseaux d'avoir le gîte et le couvert. La plupart des oiseaux, quand ils vont nourrir leurs petits, ils vont manger énormément de chenilles pour nourrir les petits. Donc voilà, un aspect encore très positif pour nos cultures. En fait, on recrée finalement des climats aussi et des paysages de bocage, parce que c'est ce qui est le plus diversifié et le plus intéressant pour nos cultures. Entourer les parcelles avec des haies, on ne perd pas grand-chose en surface et on a un gain vraiment important en termes de biodiversité et en termes de valeur sur nos cultures. Quoi. Grâce à des différents appels à projets, on a pu avoir un suivi scientifique sur cette parcelle et sur toutes nos parcelles d'ailleurs. Et ça a révélé qu'il y avait des espèces protégées qui sont en train de se raréfier. Donc ça nous permet de les conserver et d'éviter qu'elles disparaissent. Ça fait des petits noyaux où elles peuvent se maintenir. Et quand on recrée des réseaux qui leur conviennent, elles peuvent essaimer à nouveau et reconquérir la plaine, notamment la plaine alluviale du Rhône, sur laquelle on est. On s'est rendu compte avec le recul que simplement les oiseaux venaient s'hydrater en mangeant les tomates parce qu'il faisait très sec et que le point d'eau le plus proche était à plus d'un kilomètre. Donc voilà, ça demandait de l'énergie. Donc elles préféraient, notamment les merles, préféraient venir s'alimenter dans les tomates. Et voilà, ça a disparu totalement quand on a créé la première mare. Alors ça va permettre aussi à plein d'autres insectes, pas juste pour les oiseaux, pour la pollinisation des fruits et des légumes, ça va avoir un impact positif. On a énormément de bons retours du coup sur la qualité gustative des légumes qu'on vend. Dans un premier temps, c'est très enrichissant. En général, on met ça sur le compte de notre sol parce qu'on a vraiment, on essaye d'amener énormément de matière organique dans nos sols, de la diversité. Et je pense que ça se ressent dans les légumes qu'on produit. Il y a une notion de terroir qui est importante là-dedans. J'ai
je suis producteur de lait de vache tière en bio. Maintenant, on livre aussi notre lait à une fruitière à comté pour faire des comtés, aussi des fromages à raclette, des tomes bio. Notre troupeau est conduite de manière assez extensive et on recherche des animaux très rustiques. On a essentiellement des montbéliardes et on a de plus en plus de simmentales maintenant. Je pense que c'est très bien aussi parce que tout le monde a des prairies naturelles et fait des prairies temporaires très fleuries. Donc c'est très intéressant pour la biodiversité. Au niveau du village, les 4 fermes qui sont vraiment aux alentours sont en bio. Donc je pense que ça fait quand même une petite réserve naturelle pour toute la faune. Pour faire un bon comté, il faut une diversité de flore dans les prairies. Donc c'est ce que l'on a déjà dans les prairies naturelles, que les vaches pâturent. Et dans les prairies que l'on sème, on fait un choix d'une grande panoplie d'espèces à l'intérieur de la prairie. Trèfle blanc, trèfle violet, lotier. Et justement, en voyant tous ces insectes qui n'ont plus rien à manger parce qu'on fauche le foin, maintenant on a pris la décision dans certains secteurs de notre ferme de laisser des parcelles en fleurs jusqu'à ce que la fleur soit fanée et jusqu'à ce que le premier foin qu'on a fauché ait repoussé pour faire de nouveau des fleurs parce qu'on se dit que si on enlève tout le foin en même temps, on perd un peu cette diversité d'insectes qui a son rôle. On ne cherche pas à augmenter la production de lait, mais plutôt la qualité du lait en matière grasse et en matière protéique. C'est un de nos objectifs. Voilà, pour avoir moins de problèmes de santé sur les vaches. Biodiversity is one of the basic things we need for agricultural production. Without different species, crops, animals and also supporting species, agricultural production cannot work. So we are really relying on this. And this biodiversity provides us different what we call ecosystem services. So either for recycling of nutrients, sequestration of carbon, or water purification, we count, for example, different types of insects, which are able to control different types of pests or reduce diseases. In addition, this functional biodiversity, we find a lot underground, which we don't see, like earthworms, microbes, or fungi, which are important for soil health and soil life, and which allow us really to crop the different plants. If we look back 50 years ago, there was much more present, but there is a strong decline in certain species groups or habitats. So there are many habitats which are endangered or in a bad or not so good ecological state. There is now evidence that over the last 20, 30 years, there was also a strong decline of these insects in different landscapes in Europe. And for the pollinators, they are crucial for our agricultural production, especially for fruit and vegetable production. And there is also a quite declining number of pollinators. So there are also not only the honeybees, we have also other pollinators, and also a decline in species numbers, but also a decline in species diversity in agricultural landscapes. So in this perspective, important would be that we develop much more agroecological practices and implement them at much larger scales. They exist already and we have quite many farmers which practice them already, so very innovative farmers, but they are still too small in numbers compared to the more conventional ones, but which came up after the Green Revolution. So we have now a system where many of these practices are seen as quite detrimental for the environment or having negative impacts. So we have already good cases, so they need to be much more shown and shared at national and European level. And there would be also a need to change some policies. So related to the policies, to include much more agroecology in the eco-schemes. Also in the common agricultural policy, there is still the support per hectare, whatever type of farming we are carrying out. So if this could be changed differently, like of full working equivalent or other indicators, but going away just from general support of per hectares. And very important for policymakers and that it's implemented in policies is that we provide evidence that these practices are working.
So we see some farmers that it's working and show that farmers can also economically profit from these practices. And this has been shown recently because if farmers cannot live from these type of practices, or if they have not also better social impact, then they will not go towards this, these practices. But the translation into practice and real policies or laws or regulations, however what it will be crucial in the next 8 years within the next common agricultural policy and at the national states. Donc notre système qui est quand même très vertueux, par contre ce que je trouve dommage c'est qu'au niveau des aides de la PAC, ce ne sont pas le plus aidé. On est aidé pour la conversion en agriculture biologique, ensuite on ne touche plus d'aide. Et en fait tous les efforts que l'on fait avec les haies, le maintien de la biodiversité, ce n'est pas reconnu du tout. Donc il faudra qu'un jour ce soit peut-être un petit peu plus reconnu pour qu'il y ait un développement massif de ces systèmes. On pourrait créer énormément d'emplois en installant des jeunes sur des systèmes maraîchers, sur des systèmes d'arboriculture fruitière, voilà, qui seraient des systèmes en agroécologie qui créeraient de l'emploi, qui créeraient du lien social, parce que de la vente directe ou avec peu d'intermédiaires, qui créeraient des paysages, de la biodiversité.